Cher M, je vous écris d'un pays lointain. Cette phrase de Michaud me revient en tête. Je vous écris d'un pays lointain. C'est le sentiment qui m'habite à travers ces mots. Un pays intérieur à explorer. Depuis 5 semaines, la France, l'Europe, le monde est confiné et chacun chez soi, seul ou en famille, réapprend à vivre différemment. Une expérience nouvelle, à la fois collective et même planétaire, mais aussi personnelle, intime, qui peut redéfinir ce que l'on est, ce que l'on pense. On ne bouge plus et pourtant tout est flux, dialogue, avec le virus, avec la peur, la colère, la solitude, la vulnérabilité, l'impermanence, la force, la joie, avec les autres loin, avec les autres tout près, avec ce qui nous est cher, avec ce qui manque, avec soi. Ce virus ne me semble pas une guerre, mais un appel à être, à se dégager de ce qui encombre, de tout le superflu, d'aller à l'essentiel. Et si le confinement nous apprenait le sens de la liberté? C'est un voyage immobile, une expérience inédite, à 4 milliards de confinés. Une catharsis, peut-être une métamorphose, peut-être, rêvons, un nouveau monde. Le prélude à des sociétés plus écologiques, plus sobres, moins gaspilleuses, plus résilientes. Découvrir enfin que l'on doit servir la vie. Alors, rien n'aura été perdu. À l'heure où nos sorties sont encadrées, limitées à quelques lignes sur une attestation, nos libertés semblent être devenues un luxe superflu, bien loin derrière l'impérieuse nécessité sanitaire. La panique se manifeste autour de moi, de nous, écho de nos mots inconscients, mais comme l'ombre met en valeur la lumière, comme la pire des épreuves peut révéler le meilleur chez ceux qui la subissent, notre liberté ne nous apparaît jamais avec autant d'acuité que le jour où nous en sommes privés. Ce que la situation nous donne peut-être l'occasion de comprendre, c'est qu'il n'y a jamais de liberté sans condition, qu'elle ne s'offre réellement qu'à la personne qui prend toute la mesure de ce qui la rend possible. La liberté, celle que nous avons à reconquérir, ne se conjugue qu'au pluriel. Nos destins sont liés. Une exigence qui ne peut s'exprimer pour soi sans valoir aussi pour les autres. Il y a peut-être, dans toutes ces contraintes acceptées, dans ces renoncements volontaires, dans cette plongée en soi, dans ces solidarités naissantes et dans ce souci de l'autre qui prend 1000 visages, une nouvelle liberté retrouvée. Cette liberté révèle à mes yeux la présence du sacré là où on l'attendait le moins. Dans la dimension la plus matérialiste de l'homme, la plus quotidienne, la plus profane. Un sacré si proche mettant en valeur notre proximité avec un au-delà si mystérieux, qui à chaque pas nous accompagne dans une marche silencieuse, où l'invisible côtoie le visible, où l'évidence dissimule des abîmes d'obscurité. Au plus près de la vie, de la matière, le sacré jaillit au détour de la vie quotidienne. Alors j'ai voulu vous écrire mon voyage du dehors vers le dedans, du mouvement vers l'immobilité, du bruit vers le silence, renouant avec ce savoir ancestral que notre être intérieur contient la carte des étoiles.